السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بافضل حال ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوف اكزامبل ديال فيش ديال لا ليكتور. الوغ هاد الفيش هادي لقيتها في لو كيد ديال لا سورس دو فرونسي. صراحه هاد لو كيد فيه كاع لي فيش، يعني الناس اللي خدامين بهاد لو كيد هذا ما يحتاجوش نهائيا يتعذبوا ولا يقلبوا باش يصايبوا لي فيش. هو فيه لي فيش واجدين، و غادي نتقاسم معكم هاد الفيش هادي ديال لا ليكتور. الوغ تبعو معايا، غادي نشوفو لا فيش ديال لا ليكتور. عندي تيتر دو تكست ديما لون تيت ان روتار بور لا رونتري. هذا هو لو تكست لي دايرين لينا هنايا، هذا هو لو تكست لي مصايب لينا لا فيش ديالو هنايا. لوبجيكتيف دابخونتيساج تاعو مكاينين. Lire d'une manière courante et expressive un texte narratif. La référence, le manuel, la source du français, la page ou CM1. Progression, unité didactique, semaine 1 ou 2. Ou le matériel didactique, alors, on a en tête. Ou, bedinila, la fiche d'IENMA. On a les étapes, déroulement, différenciation. Alors, on dit la première étape, la lecture, mise en situation. Avant d'écrire le titre du texte, de lecture au tableau, le professeur procède à une mise en situation afin de présenter le thème du texte. Par des questions, il amène ses élèves à parler de la rentrée scolaire et des préparatifs qui la procèdent. Alors, on sait être une activité de l'enseignant, activité de l'apprenant. Alors, on a trouvé l'essai de l'hydolina. L'élève le texte d'Yenna. Dans le mokabil, il dit que la différenciation, si le professeur dispose d'un TPI, TPI ça veut dire quoi? Il y a l'abréviation du tableau blanc interactif. Il serait préférable de projeter une image du texte ou une brève scène filmée de la rentrée des classes dans une école. Le professeur écrit lisiblement le titre du texte au tableau. Un retard pour la rentrée. Ou alors, on sait la première étape, il y a mise en situation. D'abord, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est une lecture auditive ou la silencieuse. Alors, lecture à haute voix du texte par le professeur deux fois. Livre fermé. Les élèves écoutent attentivement le professeur lire le texte d'une manière expressive et bien articulée en gardant leur livre fermé. Une question de compréhension globale, appréhension globale du texte. Ou tu mets les questions à la sable texte li endna. Fijih al mokabila, je nous dis, pour les élèves qui ont une faible mémoire auditive, il serait préférable de procéder directement à une lecture silencieuse du texte. Lire une deuxième fois le texte permet aux élèves de reprendre les éléments du texte qui leur auraient échappé lors de la première lecture auditive. Ou encore, comme c'est l'une, la deuxième étape, la lecture auditive ou la silencieuse. Ou encore, la troisième étape, la lecture compréhension. Lire la lecture magistrale, le professeur demande aux élèves d'ouvrir leur livre à la page lundi. Il lit le texte à haute voix, il lit le livre. Lecture compréhension du paragraphe. On fait lire le premier paragraphe du texte par un élève, puis on pose des questions sur le contenu du paragraphe en attirant l'attention des élèves sur des faits de langue signifiant. Le professeur, tout en expliquant le paragraphe, note au tableau le lexique nouveau. La troisième étape est des lectures individuelles. Maintenant que le paragraphe a été bien compris, on peut le faire lire par quelques élèves avant d'entamer le paragraphe suivant. On procédera ainsi paragraphe par paragraphe jusqu'à la fin du texte. Lecture du texte entier à la fin de l'étape d'explication compréhension. Fijihal Mokabila dit, la lecture du professeur doit constituer un modèle pour l'élève. Elle doit être expressive et bien articulée. Chaque élève doit pouvoir la saisir. Donc, ce n'est pas la peine de la fiche d'Yali.
هنايا فاش غندير انا اكتيفيتي د لونسينيون اكتيفيتي د ليلاف غادي نبقى ندير المقابل ديالو. باغ اكزومبل لو بروفيسور دوموند او زيليف دوفرير لور ليفغ، لي زيليف اوفر لور ليفغ. هنايا الا كان ليلاف ان ليلاف زعما تيقرا لو بروميي باراغراف، عندي في المقابل غندير لي زيليف ايكوت اتونتيفمون اي فوالا. وهنايا عاوتاني attention, ne jamais faire lire un texte que les élèves n'ont pas encore compris. C'est pourquoi la phase d'explication et de compréhension du paragraphe ou du texte doit toujours précéder la phrase de lecture individuelle demandée aux élèves. L'élève ne doit lire que ce qu'il comprend. On note au tableau le lexique nouveau contenu dans le texte. Et on demande aux élèves à la fin de la séance de le recopier sur leur carnet, cahier de lexique. Alors, hentouma hnaya rah bili lina kifash anqad la fiche dialy b'un tableau li fi activité de l'enseignante ou activité de l'apprenant. Ou haka tkoun celle l'étape 7 li hiya lecture compréhension. Ou adin deuxon la dernière étape li fiha synthèse et trace écrite. Après avoir expliqué le texte par tranche de paragraphe, on fait lire le texte dans son intégralité par le maximum d'élèves possible en classe. À la fin, on demandera aux élèves de donner un résumé oral du texte ou de reformuler ses idées essentielles. Ce résumé des idées essentielles du texte peut être recopié au tableau, puis sur les cahiers des élèves. Permettre aux élèves en difficulté de lecture dyslexique lent de lire à leur tour un extrait du texte que le professeur définit en fonction des capacités de lecture de chaque élève. Ou haka, c'est là que la fiche d'yenna. Fil haqiqa, chrih fi wadah ou bayin, on qadam qad la fiche d'yeli minu tariqa sahla. Ou haka, gantmenna kun fitkoum astiqai. نتلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله.